Neymar perd 1 million d'euros. Oui, mardi, Neymar a perdu 1 million d'euros en jouant à la roulette. Alors, une soirée dans le cadre d'un partenariat commercial avec un opérateur de poker en ligne. Sa somme de départ, je vais prendre des précautions aléatoires, vraisemblablement donnée par le généreux mécène. 1 million d'euros. À l'arrivée, son pactole s'est réduit à 0. Document sur la propre chaîne Twitch de Neymar, où Neymar fait semblant de pleurer sur une reprise du Titanic au pipeau. Attention, grand morceau. Alerté ce matin par un texto de Philippe Sanfourche, 1 million bazardé en une soirée, c'est la mise au point de Philippe Sanfourche. Philippe, vous savez que j'ai le bras long dans le sport, hein. Je vous ai obtenu un rendez-vous, une date avec Neymar, il va s'afficher dans le coin droit de l'écran, et voilà, on va voir ça, il est là Neymar, vous parlez juste après évidemment l'éclair, on y va. Alors mon cher Ney, je ne vais pas me placer sur le plan de la morale, parce que les pères à la morale, il y en a suffisamment dans notre société, et ils gagnent beaucoup d'argent. Alors vous m'apprenez en plus que ça se trouve, ce n'est pas le sien. Que ce soit le sien, que ce ne soit pas le sien, ça ne me pose pas de problème. Chacun fait ce qu'il veut avec l'argent qu'il gagne, du moment que c'est gagné honnêtement. Le problème, c'est quand ça devient public. Et quand c'est donné comme ça en pâture à toute la société, par le biais d'un opérateur qui, on peut quand même le rappeler, est interdit en France, puisque le casino en ligne est interdit en France. Donc ça veut dire que finalement, on s'assoit sur les lois françaises. Qu'on s'assoit sur le fait que chaque année, il y a des rapports qui sortent de plus en plus nombreux sur la toxicité des jeux en ligne, sur l'influence que ça a sur les jeunes générations et sur le fait que il y a un rapport à l'argent et à la perte d'argent et au côté futile de jouer et de perdre son argent qui est comme ça mis au grand jour. Je trouve que ça a un impact sur l'image du Paris Saint-Germain, ça a un impact sur le foot français dans son ensemble. C'est comme si Neymar, par exemple, il y a la loi E20 en France, c'est comme si Neymar buvait un litre de whisky et fumait deux paquets de clopes devant les caméras et rigolait en même temps. C'est exactement la même chose. Donc je ne comprends pas que son employeur, le Paris Saint-Germain, et que globalement les instances du football français puissent laisser faire ça. C'est un problème de santé publique, c'est plus un problème de morale, c'est un problème de santé publique. Mmh. Ok, c'était la mise au point, de Philippe Sanfourche. Enfin, là, alors, Philippe, j'espère que tu tiendrais le même discours avec certains de nos confrères qui ont fait ou qui font, d'ailleurs des gens très bien par ailleurs, parfois, la publicité des sites de paris en ligne. Non mais je sais. Non mais j'espère. On est sur le fil du rasoir depuis maintenant quelques temps. Et il y a quand même de la publicité partout, avant chaque match, sur les paris en ligne. Donc la loi, elle est ce qu'elle est. Mais enfin, oui, on est sur un fil quand même. On est sur un fil. On est d'ailleurs d'accord pour dire que ça a impacté l'actualité de grands joueurs français, à commencer par le plus grand, Kylian Mbappé, qui à un moment donné s'était positionné assez clairement sur le fait qu'il n'était pas spécialement pour ces choses-là, et que c'est au moment où au Paris Saint-Germain, on a changé d'identité du partenaire de jeu en ligne, et qu'il lui a été demandé, dans un cadre collectif, de participer à des opérations, et que ça a été manifestement un problème. Philippe, moi je vous écoutais sur une mise au point, vous ne vouliez pas aller sur les pères la morale. Alors je ne sais pas si je vais y aller un peu, vous allez me dire, mais il gâche sa carrière, non? Il n'y a pas un truc comme ça, il n'y a pas un truc, il n'y a pas le truc. Mais moi, non, mais il n'y a pas le truc, le dommage, quoi. Moi, je suis d'accord avec Philippe, mais pas du tout pour les mêmes raisons. C'est pas tant cette histoire de paris en ligne, de savoir est-ce que c'est autorisé, interdit, etc. Mais je veux dire, ces images-là, elles sont juste indécentes et ridicules. Et c'est ça, elles sont même pathétiques. C'est-à-dire, s'exhiber comme ça, perdre 1 million d'euros, je veux dire, quel sens ça a, quelle image ça donne? Comment les gens peuvent le percevoir? Enfin, c'est juste grotesque, ridicule et pathétique. Et moi, j'ai jamais eu de souci avec le fait qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent et tout est relatif. On peut parler à tous les niveaux. Mais là, le football devient indécent. Et là, ça devient un problème. Parce que quand tu peux t'acheter 12 Ferrari par mois, en fait,
il y a un moment où c'est trop, c'est plus possible. Et en plus, c'est absurde. Parce que plus ça va, plus les abonnements pour regarder les matchs sont chers. Pour aller au Parc des Princes, tiens, j'ai regardé récemment, là, cet après-midi, pour essayer de trouver une place pour le dernier match de la saison. Vous savez à combien ça commence ? Non, à 150 euros. Ouais. À 150 euros, le truc. Non, non, mais attends, laisse-moi finir quand même, tiens. Les maillots, pour acheter un maillot, c'est 160 ou 170 euros, un maillot floqué. Ouais. Mais en fait, c'est absurde. C'est absurde. Et ces gens-là qui gagnent de l'argent, c'est normal, c'est très bien. Mais s'ils en gagnaient 10 fois moins, ils pourraient se payer la même chose et tout irait mieux. Pour moi, en fait. c'est pas tant les sommes qui sont gagnées par les joueurs, qui peuvent être par ailleurs complètement indécentes. Si, c'est ce que disait Philippe, c'est sur l'exhibition, l'exhibitionnisme. Ouais. C'est-à-dire que si moi, Neymar, il va jouer avec des copains et qu'il perde 1 million d'euros dans son coin, dans une soirée, et que ce ne soit pas filmé, bon, il fait comme il veut, c'est ridicule, il perd son argent comme il veut. Argent, il faut mais filmer ça et le donner au public comme ça, pour gagner, ça c'est grotesque. Mais c'est l'exhibitionnisme qui leur fait gagner l'argent, puisque eux, le site en question, évidemment que ce n'est pas son oseille. Évidemment. Avec ce qui gagne. Vu qu'on a fait un sujet sur les salaires, avec ce qui gagne à Paris, ils peuvent en perdre 1 million. Machin, et eux, ça leur fait c'est de la publicité, c'est tout. Eric, patient. J'ai vu une émission sur les dégâts des jeux chez les jeunes, c'est terrible. Oui. Avec des vrais professionnels, sociologues qui parlent, et c'est une ruine. Il y a plein de jeunes qui jouent de plus en plus aujourd'hui et qui mettent à mal leur santé psychologique, financière, familiale. Et ça, c'est grave. C'est très, très grave. Ouais. C'est un fléau. Mmh. Et c'est ça, le danger. Mmh. Participer à ça, c'est une catastrophe. C'était la mise au point de Philippe Sansfourche.